Alors bonsoir tout le monde, aujourd'hui on se retrouve chez moi pour la ville pour une petite astuce. En fait, quand vous avez un petit coup de froid, tout à coup vous avez un frisson, vous avez froid, puis vous savez pas comment vite vous réchauffer en quelques secondes, et ben moi j'ai une solution. Je vous montre tout ça. Des fois, en fait, vous pouvez pas faire un bain de pied, par exemple vous êtes au travail, puis d'un coup vous avez ce petit coup de froid, puis vous pouvez pas faire un bain de pied pour vous réchauffer, et ben vous faites un lavage des mains à l'eau chaude, bien sûr que j'arrivais à passer les mains sous l'eau chaude, mais vous faites ça et ça va tout de suite mieux. Je vous montre tout ça. Alors je vous montre, là c'est tiède. Ben, vous tournez le robinet jusqu'à que pour vous c'est presque bien bien chaud. Vous tapez quand même, bien sûr, quand vous brûlez trop. Il faut que ça soit chaud, mais quand même pas vous brûler, hein. Mais vous êtes bien chaud. À la limite de se faire brûler, hein. Mais il ne faut pas le brûler. Hein. Voilà. Et là c'est bien bien chaud, ben, vous passez vos mains dessous pendant un petit moment comme ça pour que le sang dans la main se réchauffe, en fait comme quand on fait un bain de pied, la même chose. Faites comme ça, vous réchauffez vos mains. Voilà, vous réchauffez vos mains sous le feu comme ça quand vous avez un petit coup de froid. Et voilà, et après séchez vos mains, mais vraiment bien séchées. Comme ça, vous aurez de nouveau les mains bonnes chaudes. Puis le sang il circulera dans le reste du corps et ça redonnera un petit coup de chaleur à votre corps quand vous avez.